Bien, salut à toutes et à toutes, c'est Raptor Z et aujourd'hui on se retrouve sur le nouvel épisode d'Outlast et on va continuer la partie. Hop! Donc, dernièrement, on s'en était arrêté ici. Alors, je crois qu'il doit nous rester plus qu'une ou deux piles. Non, deux piles, non, ça va. Oh là. Understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Ok, donc lui aussi l'a vu le Wall Rider. Alors, ah, une pile. On va la prendre. Hop, prends-la s'il te plaît. Voilà. Hop, on va aller par là. Alors. Il y a quelqu'un là-bas, regardez. Oh putain! On ne peut pas voir la porte. Apparemment, on peut aller par là. Écoutez, on va aller par là. Wow. Il y a un mec qui se balade là. Qu'est-ce que c'est que le bruit de la machine. Le bruit dans la machine comme celui dans ma tête quand le War Rider est apparu. Quand je ferme les yeux, je vois des parasites, autre chose. Quelque chose de noir et de gras descend derrière mes paupières. Ça me regarde avec des organes que j'arrive pas à imaginer. Mais le bruit vient aussi de la machine, de l'intérieur des murs. Je connais ce son. Il y a une sauvegarde. Ah oui, d'accord, c'était là qu'il y avait un mec en fait. J'ai vu des yeux. Putain, y a quelqu'un. Soit c'est mon imagination, soit y avait vraiment quelqu'un, puis cette personne s'est volatilisée. Non, ça devait être la pile qui clignote. C'était quoi ça? Ok, on va aller par là. Oh! Je voulais aussi pas recommencer. Putain mec, est-ce que tu pourras peut-être me laisser passer? Tu seras gentil. Putain mec, t'as vraiment une sale gueule. Bon, à côté, écoute, j'ai rien dit. Ok, il faudrait peut-être te faire soigner là par contre. Mais
Je vois qu'il y a un ascenseur ici. Il me suppose, j'espère. D'abord aller explorer en bas. Ah, il y a un dossier. C'est un peu ramassé, je sais pas pourquoi il veut ramasser les pédules. Projet, pareil, le document de l'objectif, de renseignement, internet. Les références. Ordonnance de révélation des crimes de guerre des nazis. À le premier paperclip permet de s'adjoindre les services de spécialistes étrangères en vue d'affectation. Spécifique dans les branches techniques des forces terrestres, navales et aériennes. Le projet se centra est essentiellement un programme de Benny présentant de nombreux avantages. Son objectif est d'assurer l'emploi aux États-Unis d'un certain nombre de spécialistes allemands et autrichiens de renom, en privant de cette possibilité des ennemis potentiels. Ok. Oh putain! Est-ce que tu es gentil? Bon, qui est le... Allez, ramasse, 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 ramasse. Ah, voilà, ça y est. Putain, c'est... Ok, là, je crois qu'il faudra sauter, je pense. Attention. C'est bon. Ah, on va... Je vois qu'il y a une flèche qui nous indique le chemin, mais on va y aller. L'ascenseur, ouais. Donc là, on peut se cacher. Est-ce que là, c'est ouvert? Non, c'est fermé, évidemment. Et puis là, est-ce que c'est ouvert? Ah, attendez. Cette porte nécessite une clé. On va devoir aller chercher la clé. J'ai presque que vous pouvez traverser en haut. Ok. On va vite changer la pile d'abord. Où est-ce que je suis là? Apparemment, je marchais sur des mecs. Ah, là, là, là. Là, là, je... Putain. La chute de l'âge nécessite trois fusibles. Trois putains de fusibles, et ben génial. On va devoir les actionner. Je pense qu'on n'a pas le choix, les amis. On va devoir y aller. Sauvegarde. Quand il y a une sauvegarde, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et puis... Alors la musique s'est déclenchée, j'hésite à y aller. Bon écoute mec, je viens juste faire un petit tour là comme ça, tu vois, je me balade dans les îles tranquille. Écoute mec, écoute, 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 je ne cherche pas les ennuis. Écoute-moi, on peut devenir amis si tu veux. On peut devenir amis. On peut devenir amis. Devenir ami.
qu'il arrive, je peux me cacher ici. Deux piles, yes. 8, j'en ai, dis donc, c'est cool ça. Je recherche cette pile. Qu'est-ce que tu me... Putain. Oh fuck fuck fuck. Tu veux jouer? Moi j'ai pas tellement envie de jouer, tu vois. Non mais qu'est-ce que tu fous? Oh là 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 là. Pas par là, pas par là. Choque-toi. Oh putain! Saute, 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 qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que... Ah, vite, vite, vite! Assure-moi ça! Comme ça, si jamais on crève ici, au moins il y aura pas que... Eh merde! Punaise! On avait trouvé un surcroît, je crois, ouais. Bon, recharger ces putains de fusibles. Allez hop. Oh mon putain, je suis... je suis dégoûté. Alors l'autre, bon, il a pas l'air amical. Je crois que si on s'approche, il risque de nous donner un coup de machette, hein. Ça n'arrive pas une petite pile? Non. Ça m'étonnerait. Voilà. Non, non, non. Écoutez, on va se tirer. Il a réussi à se libérer, l'autre. Le choix que d'aller là-bas. Cache-toi, 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 cache-toi. Accroupis-toi, reste accroupi. Voilà. Et maintenant, on en profite. À d'abord faire ça. Et on va pousser ça. On est dans le noir, on voit rien en plus. Là, je crois que ça doit être bon. Ouais, voilà, comme ça, si j'ai envie de repousser un petit peu plus. Allez, un tout petit peu encore. Voilà. Alors, où est le reste? Où sont les autres fusibles? Ah. Ramasser le fusil. Super. Y'a plus rien dans la pièce? Non, plus rien. Bah écoutez, je crois qu'on peut y aller. Là, il faut par là quand même. Bon, ici nous sommes en sécurité. On a déjà dû placer les deux. Encore une. Et plus qu'une à trouver. Alors. Hop.
Qu'est-ce que nous avons par là? Je me souviens même plus si je suis venu par ici. Non, je ne crois pas. Ah! Yes, ça y est. C'est bon, on a les trois. On n'a plus rien à faire ici. Ah bon. Ah, une pif. Putain de merde. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Vite, cours, cours, cours! Reste pas là! Saute, 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 saute! Vite, vite, vite! Y'a un dessus! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Où qu'elle est? Putain, par où elle est? Putain, elle est tombée là-dedans. Bon, écoutez, on va. Je crois. Je pense qu'elle est tombée, puis il faut malheureusement aller la chercher. Alors, dès qu'elle est tombée, déjà d'une, quand la petite cage s'est ouverte, je pouvais même pas l'attraper, donc vous savez quoi? Je pense qu'il faut aller la chercher à l'étage inférieur. On va y aller, donc il faudra descendre. Il n'y a pas des petites indications ou je ne sais quoi. Ah! Ah, peut-être par là. Écoutez, on va revenir sur nos pas. On va aller par là. Et je pense qu'il faut descendre, je crois. Il y avait un grand vide en fait que je n'avais pas vu. Ok, puis la pile elle doit être certainement quelque part, on va aller explorer. Le bruit. Oh putain! Oh là 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 là. Quelle est cette putain de clé? Alors là, c'est les chiottes. Y a rien dans les chiottes, y a pas une petite pile par hasard, on sait jamais. On va y aller. On va recharger la pile et plus vite que ça, s'il te plaît. Merci. On va aller par là. Tout est dans ma tête, oui. T'inquiète pas, je. Ah! Allez là, allez là. Oh putain, je suis content. Eh ben lave-la. Ça y est. Ok, on a la clé. Maintenant, on se tire d'ici. Et en vitesse. Oh, fais chier. Non. Bonjour. Putain, 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 putain. Le connard. Bon, écoute, on va retenter notre chance. Allez, allez, allez. Non, mais putain, laisse-moi tranquille. Ah, putain, mais je tourne en route, je bug, c'est je bug. Ah, putain. Non.
Putain. Oh. Oh. Encore un coup. Il... On va attendre un petit peu. Voilà. Oh. Oh fuck. Oh. Ça y est, les gens, on a réussi. Oh. Oh mon Dieu. On va sauter. Ah voilà. Nouvel objectif, suivez les traces du sang. Alors. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo sur Outlast vous aura plu. Si n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo si vous souhaitez, puis à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouvera sur le nouvel épisode. On se retrouvera pardon sur le nouvel épisode de Outlast. Et d'ici là, je vous dis à bientôt les gens. Ciao ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.